Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live que vous suivez tous les jours du lundi au vendredi. L'édition du jour fera un focus sur le dépassement budgétaire de 13,2% des dépenses du Sénat au premier semestre 2021. Par après, nous reviendrons pour parler du quid sur la proposition de la loi portant sur la réduction de la dot ici en République démocratique du Congo. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous de la semaine qui nous sont présentés dans la rubrique Agenda par Adassa Grasse. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de la mine de Kamoa-Kikula qui débute les exportations des concentrés de cuivre. Filiale locale de la co-entreprise qui exploite la mine du cuivre Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo, Kamoa Copper a débuté les expéditions de concentrés de cuivre sur le marché international. L'annonce a été faite le lundi 19 juillet 2021 par Ivanhoe Mines. Selon la source, les premiers camions ont quitté le site minier le samedi 17 juillet 2021 pour le port de Durban en Afrique du Sud avant l'exportation finale des minerais. Nouvelle en bref encore, au premier semestre 2021, l'État a alloué près de 6,6 millions de dollars américains à la CENI, soit 20,7% des ressources attendues. Jusqu'en juin 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a transféré que 13,1 milliards de francs congolais, soit près de 6,6 millions de dollars américains, dans le compte de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'indique le rapport sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget. Parlons cette fois-ci de la Fondation Panzi qui a remis en date du 15 juillet 2021 des kits de réparation individuelle à 470 survivantes des violences sexuelles à Kananga, chef-lieu du Kasaï oriental. Chacune d'elles recevra notamment une somme de 800 dollars américains via un compte Mobile Money à l'aide du téléphone portable mis à leur disposition par l'équipe de la Fondation Panzi. Au cours de la remise symbolique de ces kits, le directeur des programmes de la Fondation Panzi, Bertin Rutega, a renseigné que la genèse du fonds global de la réparation des survivantes des violences sexuelles remonte au discours du docteur Denis Mukwege lors de la réception du prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège le 10 décembre 2018. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle du président de la République démocratique du Congo et son homologue du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, qui rend un dernier hommage au cardinal Laurent Mossengo ce mardi 20 juillet 2021 au Palais du Peuple. Au cours de cette cérémonie d'hommage, Félix-Antoine Tshisekedi va procéder à la décoration à titre posthume du cardinal émérite Laurent Mossengo au rang de grand chancelier des ordres nationaux de la médaille d'or de mérite civique. Plusieurs autres personnalités du pays prennent part à cette cérémonie, dont le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les membres de confession religieuse. De retour sur ce plateau, nous allons rapidement passer à la première rubrique, c'est les chiffres clés que nous ramène Benita Mouini. Et aujourd'hui, nous ferons un focus, comme nous l'avons annoncé au départ, sur les dépassements budgétaires de 13,2% des dépenses du Sénat au premier semestre 2021. Suivez. Benita Mouini, nous vous recevons une fois de plus. Bienvenue. Merci Judith. Alors avec vous aujourd'hui dans le compte de chiffres clés, nous allons parler des dépassements budgétaires de 13,2% des dépenses du Sénat au premier semestre 2021. Mais avant d'y arriver, commençons d'abord avec le cours de change. Commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo où 1 dollar s'échange à 1988 francs congolais, 1 franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé la commune de Kinshasa où 1 dollar s'échange à 2000 francs, 1 franc CFA à 3,63 centimes et 1 euro à 2425 francs congolais. Alors que dire de l'enveloppe que le gouvernement congolais a déboursée? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé une enveloppe globale de 84,4 milliards de francs congolais, soit 42,4 millions de dollars américains. Sur les prévisions linéaires de 63,3 milliards de francs congolais en faveur du Sénat au premier semestre 2021, soit un taux d'exécution de 13,2%, c'est ce que renseignent les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire pour cette période sous analyse.
comme pour dire qu'il se dégage un surplus de 13,2% dans les dépenses du Sénat par rapport aux allocations budgétaires arrêtées dans la loi de finances. Et pour finir, qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet de dépenses qui ont été affectées au Sénat? L'ensemble des dépenses du Sénat n'ont été affectées que dans des rubriques, à savoir la rémunération et le fonctionnement de cette chambre parlementaire. S'agissant de la rémunération, la source indique que 24,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 12,4 millions de dollars américains, ont été alloués. Tandis que les dépenses de fonctionnement du Sénat sont chiffrées à hauteur de 59,5 milliards de francs congolais pour cette période. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, les allocations budgétaires arrêtées pour le Sénat de la RDC sont de l'ordre de 126 718 990 672 francs congolais, soit 61,305 millions de dollars américains. Merci beaucoup Benita. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Merci Judith. Passons à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Judith Unamaka. Après ceci. Unamaka, nous vous recevons une fois de plus avec ce nouveau dossier que vous nous apportez. Bienvenue. Merci, Piombo. Alors aujourd'hui, nous allons revenir ou parler de la loi fixant la dot à 500 $ pour les milieux urbains et à 200 $ pour les milieux ruraux. Qu'est-ce que l'on doit dire dessus? Tout part du Code de la famille qui part de la dot et l'article 361 du Code de la famille dit que le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice de la famille de la future épouse. Et aussi, le mariage ne peut être célébré que lorsque la dot a été effectivement versée, du moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique. Et à cet effet, le député national Daniel Mbaou a justement proposé une loi qui contredit le code de famille en donnant que la somme de la dot soit versée à 500 $ en milieu urbain, comme vous venez de le dire tout à l'heure, et en milieu ruraux à 200 $. Et elle formalise également les fiançailles qui cessent d'être une simple promesse de mariage pour devenir un véritable engagement solennel auprès de l'État et des différentes familles. Et comme vous le savez, évidemment, cette proposition a laissé plusieurs personnes sans voix et d'autres personnes se sont senties choquées par rapport à cette annonce faite publiquement par le député national. Et aussi, vous le savez, qu'aucun parent ne peut laisser ses enfants être mariés à 500 $ et aucune fille ne peut accepter d'être dotée à 500 $. Alors, plusieurs questions se posent et plusieurs enjeux ont été mis au point dans les familles, les coutumes et les ethnies. Alors, nous sommes donc rendus sur terrain pour recueillir certaines informations auprès de la population. Donc, vous vous êtes rendus sur terrain pour échanger avec la population à ce sujet. Nous allons suivre ce reportage qui nous ramène les différents avis de la population quinoise à ce propos. Suivez. Des réactions de part et d'autre. La population semble intriguée par cette situation qui pourrait bouleverser les cours des choses. Cette proposition de la loi fixant la dot à 500 $ en milieu urbain rend les habitants de Kinshasa perplexes. Elle arrivera à modifier le code de la famille, néanmoins certains avis restent quand même contre. On nous a appris que non, c'est une proposition. Mais quant à moi, je ne suis pas d'accord. Je vais dire que non, qu'on puisse me prendre en mariage avec 500 $, c'est inconcevable. D'abord, mon père ne sera pas content de ça. Avec tout ce qu'il a dépensé de moi, depuis mon enfance jusqu'à ce que je suis à cet âge, il ne sera même pas d'accord de ça. Donc je suis contre cette idée, je suis contre cette proposition. Et s'il y a vraiment il y a un bon gouvernement dans notre pays qui ne puisse pas être d'accord avec ça, avec ces sommes de l'argent, que non, ils puissent dire 500 $, c'est trop peu. Ils peuvent dire 1 500, 2 000 à débattre, là nous pouvons être d'accord. Mais 500 $, c'est combien en francs congolais? Pour certains, c'est une nouvelle qui permettra aux jeunes de se marier plus facilement. Oui, d'après moi, je peux dire que c'est une bonne décision par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés. Il y a un peu l'exagération par rapport à la demande de la dot, par rapport à nos parents. Nous tous aujourd'hui, on a même des célibataires aujourd'hui qui sont involontaires. D'après ma propre volonté, je ne vais pas encore être célibataire. Mais par rapport à la situation actuelle qui se passe dans nos familles, par rapport à la demande de la dot, donc je me retrouve célibataire. C'est pourquoi je suis prêt. On soutient, nous tous, nous soutenons un peu cette,
cette proposition de loi, car ça donne tous, ça donne aux soulagés jeunes que nous sommes. D'autres avouent que le gouvernement devrait plutôt se préoccuper de l'emploi en RDC. À mon humble avis, je pense que soumettre telle loi à l'Assemblée nationale, c'est bien pour réglementer la dot, mais c'est aussi mal parce que les jeunes en sont nous, la majorité ne travaille pas. La majorité des jeunes sont au chômage. Il y a tant de problèmes que les jeunes rencontrent. En premier lieu, je souhaiterais, on devrait commencer par mettre les jeunes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire leur trouver quoi gagner de moyens pour d'abord subvenir à leurs besoins et parler de mariage après. Parce que quand quelqu'un n'a pas de moyens, vous lui parlez du mariage. À quoi ça serait utile? D'autres encore affirment et acceptent cette proposition car beaucoup ont demeuré dans le célibat. Nous sommes d'accord pour Nango, pour Nanini, nous sommes au moment très difficile pour les jeunes garçons qui sont en Kobala. Pour les parents, les familles, les autres, les autres exagérés. Les autres sont vraiment en tout cas même en bon moment. Proposition OIAP c'est pour 500 dollars, ils allaient bien pour batounyo surtout parce qu'elle a réglé et facilité bango babala pour les lots batoua comme ko kende kaka bakei bafanda. Osomo na vraiment que mariage ça peine à respecter té pour na bakouanez qui est belé. 500 dollars ils allent au col la dot. Ceux qui local la dot ils allaient bien pour batounyo surtout parce qu'on kende au-delà bat 3000 dollars. Au kakol musu la zone ngosu waga na 2500. Or, ce total n'a pas jeune, mais son salaire, fonctionnaire à l'État, le salaire est à 200 dollars. Pour Moutou, à Kangisapenda, 2500 pour qu'on pèse vraiment d'autres. Et ça, très difficile. Mais je suis basé au Kim, on attend que je pèse une facture à Kimi. Moi, à réaliser qu'il y a un peu de temps, c'est Oya Lingi, exacté. Mais à 500 dollars, on a économisé pendant 2 mois, 3 mois, à quoi il y a une facilité à foutre d'autres à 500 dollars. Cette loi ne peut être proposée dans le but d'être validée, car la dot est versée en tenant compte des coutumes, sachant que chaque famille a sa manière de procéder, a déclaré un passant. C'est dans leur devoir de proposer des lois. Il y a des choses qui sont réservées à la coutume. À mon humble avis, le montant ou les obligations du mariage coutumier dépend de la famille. Dépend de la famille. Parce que moi, dans ma famille, ça nous arrive, on voit l'homme qui vient vers la famille pour prendre notre fille en mariage. On voit leurs moyens. On lui dit seulement de nous acheter une bouteille de Ntiamba, ce que nous appelons le vin des palmes. C'est pour permettre que les garçons honorent la famille. Et c'est pour permettre aussi que nous lui donnions notre fille pour compléter ce qui est écrit dans la Bible et que le mariage soit honoré de tous, de la famille et à l'État, ainsi qu'à l'Église. C'est une bonne démarche. Ça va nous permettre, nous parents, pour encadrer le nouveau couple, pour les amener en mariage. Au lieu de rester dans le noir, vous devez vous dévoiler comme ça. Nous aurons le temps d'encadrer nos jeunes. Les 500, je ne soutiens pas, mais l'encadrement au moment du fiançailles, là, je soutiens. C'est pour protéger, contrôler cette nouvelle couple-là, les projets de mariage. Ça doit être encadré. Certes, la dot reste exorbitante de nos jours au point de pénaliser certaines personnes. En l'occurrence, cette proposition ajoute quand même du sel en créant un dilemme auprès de toute la population congolaise. Nous revenons de suivre ensemble ce reportage avec vous, Namaka, et on remarque que la population reste quand même sans choix par rapport à cette proposition. Cette proposition innovante reste donc perplexe auprès de la population congolaise, mais également auprès de jeunes femmes qui espèrent à tout prix que cette proposition soit revue à la hausse. Merci beaucoup, Namaka. Retrouvons-nous pour un autre numéro avec une autre thématique que vous allez nous ramener. C'est toujours un plaisir, Piombo. Merci. Nous aurons droit à un invité pour cette édition. Il s'appelle Julio Mananga et il va nous parler des aspects juridiques quant à la proposition de la loi Mbao. L'invité du jour, il s'appelle Julio Mananga, il est analyste juriste et nous le recevons déjà sur ce plateau. Monsieur Julio, bienvenue. Merci Madame Judith.
Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'aspect juridique quant à la proposition de la loi Mbao. Et la première question est de savoir que pensez-vous par rapport à cette loi. Merci Madame Judith pour la question. La proposition de loi de l'honorable Mbao fait beaucoup parler d'elle. Mais nous avons essayé de faire une lecture téléologique pour savoir pourquoi est-ce que l'honorable a voulu proposer cette loi. Et de cette lecture, nous avons conclu immédiatement qu'il y avait véritablement un problème réel social à régler. Parce que vous le savez, à Kinshasa, la dot était devenue sujet à beaucoup d'abus et à beaucoup de problèmes. Nous avons vu des parents qui surfacturaient le prix de la dot, qui demandaient des téléviseurs, des congélateurs, etc., etc. Et cela mettait un tout petit peu en difficulté les jeunes époux qui voulaient se marier, avancer le plus vite possible. Alors, c'est dans cette optique-là que l'honorable a voulu présenter cette proposition de loi, dans le but de fixer la dot, pas à 500$ comme les gens le pensent, mais la proposition de loi parle de 0 à 500, parce que la proposition de loi dit 500$ maximum et 200$ maximum pour les provinces. 500 pour les milieux ruraux et 200$ pour les provinces. Mais là où nous sommes à 90% d'accord avec l'honorable, mais il y a un problème. Le problème se situe au niveau des provinces. Parce que la proposition de loi semble porter entorse à la diversité culturelle et coutumière de la nation, mais aussi elle semble méconnaître l'autorité coutumière. Et à quel niveau, sur le plan du droit, cette proposition prêche-t-elle? Est-ce qu'elle n'entre pas en contradiction avec l'article 201 de la Constitution portant sur l'autorité coutumière en République démocratique du Congo? Effectivement, Madame Judith, l'autorité, comme je venais de le dire, la proposition de loi de l'honorable Mbao semble méconnaître l'autorité coutumière, qui est pourtant garantie par l'article 207 de notre Constitution. Mais aussi, la Constitution protège les us et coutumes, et la Constitution prône même la diversité culturelle de la nation, de ses coutumes, et pour permettre à la nation d'avancer et d'essayer de se maintenir dans cet élan-là. Alors, nous avons suggéré plutôt, à l'honorable Mbao d'essayer d'établir un cadre de discussion, un cadre d'échange avec tous les chefs coutumiers, province par province. Pourquoi? Parce que la dot n'a pas la même teneur qu'au Congo central qu'à l'Équateur. Chez les Mouchi, la dot est différente de chez les Bayombe. Alors, il faudrait nécessairement qu'il y ait un cadre de change entre l'honorable et tous les chefs coutumiers. Pourquoi? Parce que si les chefs coutumiers sont d'accord avec lui, cela permettra même l'application effective de cette proposition de loi qui deviendra une loi par les chefs coutumiers, qui sont les gardiens de la coutume et qui veilleront à ce moment-là à l'application de la coutume, mais aussi elle mettra tout le monde à l'aise parce qu'on saura maintenant, province par province, quelle est la somme à fixer pour payer la dot. Parlons cette fois-ci du volet des fiançailles, toujours dans la même proposition de la loi. Dites-nous un peu le fait que la durée, qu'on ait fixé une durée des fiançailles, ça ne devient pas une forme d'imposition au couple? Non, Madame Judith, ce n'est pas une forme d'imposition. C'est d'ailleurs bien vu de la part de l'honorable Mbao d'avoir déterminé une durée bien fixée pour les fiançailles. Nous avons connu ici des fiançailles qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire même. Alors, il était impérieux de fixer un délai. Parce que vous savez, Madame Judith, sur le plan de droit, les fiançailles ont quelques effets. Si par exemple, vous vous lassez de votre partenaire, parce que les fiançailles ont pour but d'atterrir dans le mariage, mais vous pouvez aussi vous lasser de votre partenaire. Alors, la loi dit que tous les présents, les cadeaux et les bijoux que vous avez faits à votre partenaire, elle doit vous les restituer. Mais imaginez-vous que je vous ai fait des présents il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y aura des difficultés, Madame Judith. Voilà pourquoi je suis totalement d'accord avec l'honorable qui a prévu un time lapse de 6 mois, une fois renouvelable. Donc, en une année, vous êtes censé vous marier. Alors, on va finir avec cette question. Est-ce que la fixation de la valeur de la dot à 500$ vient en même temps fixer les dépenses liées à l'organisation du mariage? Puisqu'il faut le dire que certaines familles, en fixant la dot, ils pensent aussi directement à utiliser cet argent pour organiser la cérémonie. Pas du tout, Madame Judith. C'est là où la population est dans le flou. D'aucuns pensent ici que la valeur de la dot inclut même les frais festifs des noces, donc les frais festifs de mariage. Non, il n'en est pas ainsi. La dot, elle est d'ailleurs symbolique selon notre coutume. Vous pouvez aussi vous trouver devant
un beau-père qui ne vous demande rien, qui vous demande par exemple de payer seulement, comme chez les Bayombe, un verre de tamba par exemple. Là, la dot n'a rien à voir avec les frais festifs de mariage. Vous allez payer entre, si vous êtes à Kinshasa, vous allez payer entre 0, de 0 à 500 dollars. Et par après, vous allez vous organiser avec votre épouse pour les frais des festivités des mariages. Si vous voulez faire un mariage à la Kim Kardashian avec 10 000 dollars, il n'y a pas de problème. Merci voilà. Beaucoup à vous, Monsieur Julio, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Judith. Place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous ramène une autre analyse. Suivez. Bonjour. Près de 25 millions de dollars américains ont été affectés aux infrastructures et travaux publics durant les 6 premiers mois de l'exercice budgétaire 2021. Ce montant concerne les dépenses effectuées dans ces secteurs sur l'ensemble du territoire national. S'il faut faire une comparaison au coût du kilomètre construit pour un montant estimé à 1 million de dollars américains, cette allocation n'aurait servi qu'à construire quelques 25 km de route. D'après les prévisions budgétaires, un montant total de 160,5 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 80 millions de dollars américains, devrait être affecté aux travaux publics et infrastructures. Au regard du décaissement effectué à fin juin 2021, il se dégage donc un taux d'exécution de 31,2% par rapport au montant attendu. Il convient donc de noter que ces fonds décaissés par les trésors publics ont été répartis comme suit. 8,7 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains, ont été affectés au fonctionnement du ministère. 34,5% de francs congolais pour la rémunération et plus de 6,9 milliards de francs congolais représentant l'investissement sur fonds propres. Sous l'ensemble de l'exercice 2021, le gouvernement congolais prévoit de décaisser plus de 321,163 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 155,376 millions de dollars américains. Si l'on considère uniquement les réseaux routiers, la République démocratique du Congo dispose de 152 400 km, dont 2% seulement sont revêtus. Concernant les routes d'intérêt général, qui représentent 58 125 km, à peine 19,5 sont donc en bon état. Quant aux voies ferrées, 5033 km de voies existantes, dont 95% sont à moderniser ou encore à réhabiliter. Sur les 500 pistes d'atterrissage, à peine 100 pistes sont ouvertes à la circulation publique et dont 4 au trafic international. Côté voies maritimes, lacustres et fluviales, 16 238 km sont à baliser, draguer et exploiter en majeure partie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramènera les prix des instruments de musique traditionnels avec Naomi Kandé dans Zoom Wendy. Suivez. Bienvenue. Aujourd'hui, Zoom Wendy revient sur les instruments de musique. Mais cette fois, nous allons nous atteler particulièrement sur les instruments de musique traditionnels de la culture congolaise. Sans plus tarder, découvrons ensemble le prix des différents instruments de musique. C'est parti! Commençons notre marché avec une trompette qui se vend à 40 dollars pour la petite mesure. La grande mesure coûte 60 dollars. Nous avons pour vous le prix d'une gongi qui est un instrument à double sens et fabriqué en fer. Cela revient à 90 dollars. Un likembe se vend à 10 dollars. Un lokole coûte 15 dollars pour la petite mesure. La grande mesure se vend à 60 dollars.
La petite dimension d'un tam-tam se vend à 20 dollars. La moyenne mesure coûte 45 dollars. Et la plus grande mesure se vend à 80 dollars. 30 dollars pour une guitare traditionnelle. Une cloche se vend à 20 dollars. Le maracas en forme de calebasse, le prix est fixé à 10 dollars. Terminons avec de maracas en matière de kelele qui se vend à 5 dollars. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques à noter? Nous en saurons plus dans la rubrique Agenda que nous ramène Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Commençons par la formation sur le management de projet qui a débuté depuis le dimanche 18 juillet dernier et va se poursuivre jusqu'au 24 juillet prochain de 9h à 13h pour la première vacation et de 14h à 17h pour la deuxième vacation. Les frais de participation pour cette session est fixé à 100 $. Rappelons également que la formation des entrepreneurs avait débuté le lundi 19 juillet dernier à Kinshasa avec le thème « L'élaboration du business plan, plan marketing et stratégie de recherche de financement ». Elle n'est pas gratuite, les frais de participation est fixé à 50 $. Notons aussi que la coopération Bilangayabetu avait ouvert le marché agricole le lundi 19 juillet dernier à l'échangeur limité Kinshasa et prendra fin le 25 juillet prochain. Cette fois-ci, il s'agit de la 10e édition du Forum d'économie internationale qui se tiendra au sein de l'Université protestante du Congo ce samedi 24 juillet 2021 à partir de 9h et aura pour thème l'intelligence économique, levier de la compétitivité économique de la RDC dans la zone des libre-échanges continentales africaines. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 d'aujourd'hui nous ramène à la rencontre d'un artiste qui fabrique des bracelets et des chaînettes ici dans la ville de Kinshasa. Deux ans déjà, dans la salle, on a salé à Oyo. On a un bijou, on a un moniboué. On a un combo, on a salé à A. On a un indica, on a un cocoti. On a un logo de Tina, on a un bon lion de Comitina. On a un salé à Oyo, on a un salé à Oyo. On a un salé à Oyo, on a un salé à Oyo. On a un salé à Oyo. Mais ça, on a un salé à Oyo. Mais on a un salé à Oyo. On a un salé à Oyo. Les athées étant à 200 allés tous les allés maman 200 on a vu 300 allés maman 300 n'y a sauté et aux armes 200 robots m'a fait 100 francs 100 francs et puis souvent mal moussous. L'état a lieu au pétrole de valérité. L'état a lieu au valérité à yambo en abusoté. Il y a une difficulté où il y a des gens qui sont en train de se faire. Si on a des gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. L'État a compris les choses. Ils sont en train de se faire. Ils sont africains. Ils sont en train de se faire. 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 Ils sont Younger Sabiso Pass. Baptiste au bazar, talent et sur talent à Bango Balimo Bimsango, et pour Bango Nagé, à quoi Bimsango, sur les Bimsa Batu, et si vous avez trouvé Arnaï, l'état a été Kimiaté. Le Batu Bango Bomba, mais le Bango Vanda, Moussakomo Luga, Asalikamout ou Akane au Salati. Dans l'état, à Bumsa Baptiste, et Bissiga au Tchablou, on a Bango Ti.
Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change dans la République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sous ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec le même plaisir.